be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement, je suis vraiment trop excité. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai bu trop de maté. Bon, c'est quand même trop, c'est pour ça que je suis excité. Bon, j'ai regardé mon émission que j'aime bien. Bon, après, c'est pas mon émission préférée. C'est parce que j'aime bien regarder ça, parce que ça me donne la joie de rire et ça me fait rigoler, tu vois. Ouais. En fait, c'est les techniques, en fait, comment les gens draguent les filles, etc. Comment les filles draguent, tout ça. Bon, les techniques sont bien et certaines techniques me font rigoler, etc. Et tout. Comme vous avez vu, aujourd'hui, on est lundi et puis voilà, c'est la première journée des princes, des princes de l'amour. Mais cette saison, je sais pas, elle est pas comme les autres saisons. D'habitude, vous avez vu, pour ceux qui me suivent et qui regardent un peu mes snaps et tout, comme l'année dernière, etc. Moi, j'aime bien dire le titre de champion, le titre de Champions League, parce que la Coupe du Monde, pour moi, c'est la Coupe du Monde ou même la Ligue des Champions des couples. En fait, chacun doit gagner sa coupe. C'est la plus belle fille, etc., la plus belle femme, etc. Et tout. Pour moi, c'est Ligue des Champions. C'est comme une Ligue des Champions, comme une Coupe du Monde et tout. Et le titre est vraiment quand même... ça me fait rigoler aujourd'hui parce que là, ça... Ping, pong, pong, pong. Je vais arrêter. Là, c'est ping, pong, 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 direct. Là, ça allait de tous les côtés. Et c'était trop, là j'ai dit bon allez, tous les années je fais des snaps, des trucs comme ça et tout. Et là j'ai dit bon allez, on va faire une vidéo, si ça marche, si ça vous plaît les amis, on se lance sur des vidéos comme ça. Mais parce que moi le problème c'est que si moi je commence à me lancer, après je ne peux plus m'arrêter. Je vais rigoler, c'est difficile. Déjà je vais vous montrer un peu des extraits de la vidéo, des quelques vidéos que ceux qui n'ont pas vu et ceux qui me suivent sur Facebook, tout ça, sur Snap, les ont déjà vu. Mais bon... C'est des vidéos comme ça vite fait pour dire que c'est une émission qui me fait rigoler. C'est pas ma meilleure émission, hein. Je suis loin de ça, hein. C'est pas ma meilleure émission. Bon, c'est vrai que j'aime bien aussi regarder les anges, etc. J'aime bien ces genres d'épisodes et tout, parce que après le travail, ça me fait détendre. Des fois, je rigole et tout ça, etc. Tout ça. Et là, je sais pas, j'ai envie de commencer par faire une vidéo de celle-là. Je sais pas. Après, si vous aimez bien, et ben, on va se lancer sur des vidéos comme ça, mais bon. Franchement, là, ça m'a fait rire, puisque les princes de l'amour, ça a commencé aujourd'hui très exceptionnel. Ça a commencé exceptionnel. Il y a une Toulonnaise qui arrive et qui se présente, qui arrive de je ne sais pas où. Elle voit un gars, elle ne le connaît même pas direct. Au lieu de normal, tu dis bonjour, tu apprends à le connaître, c'est normal. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, on ne connaît même plus ça. L'amour, c'est t'aimes quelqu'un, flou, tu vas direct droit et boum, tu fais le bisou. Et c'est comme si vous connaissez depuis 10 ans. Et là, ça m'a choqué, là, j'ai rigolé, vous allez voir l'extrait, là, je vous montrer quelques vidéos, là, vite fait, tout à l'heure, et vous allez voir l'extrait. Et puis aussi, j'ai aimé aussi le gars qui est soi-disant, en fait, médium. Il commence à faire ses conneries, il dit à une femme que, à une jeune femme qui il lui tend la main, et il dit, ça va être dur pour toi, direct, ça commence à partir, ping, pam, pong, comme je dis tout à l'heure, ping, pam, pong, ça commence à enchaîner, et encore là, c'est quel début, hein, c'est quel début. Après, ça va être encore dur, très très dur. Moi, ce que je voulais pas, c'est, ce qui m'énerve, c'est le mec, l'ex Amila, c'est-à-dire l'ex Amila, comme il est très dur, il a l'air très dur, parce qu'il a été dur avec Mila, j'ai peur qu'il fait souffrir, franchement, ces deux jeunes filles qui sont très très belles. Surtout la métisse, elle est très très jolie et franchement, c'est quand même... Bah après, on va voir si vraiment il fait encore un coup foiré, qui est par exemple... Parce que moi, je vois beaucoup celui-là, c'est quelqu'un qui aime trop les femmes et qui n'arrive pas à en garder une. Pour moi, c'est ce que je vois. Après, là, c'est là qu'on va voir la vérité, puisque s'il n'arrive pas à tenir une d'entre elles et garder au moins plus d'années qu'avec Mila, il avait fait, parce que quand même, il s'était marié quand même et tout, ça va très loin cette histoire. Lui... C'est un gars pour moi qui est très 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 dur à cerner et franchement, bah, je ne vois pas autant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire dans ce jeu, moi je ne comprends rien. Et bon, ça m'a un peu perturbé, mais j'étais quand même content. J'ai dit, bon, peut-être ça a marché, peut-être qu'il va faire quelque chose de bien. Mais là, quand même, le mec, l'ex a mis là, et je ne cache pas de vous le dire que je pense que l'histoire de le mec a mis là, quand je me dis. Mila va arriver, alors suivez un peu les trucs, ça va faire ping pong pong, ça va chaîner, ça va même jeter des trucs, je sais même des trucs. Non, ça m'a choqué, j'ai vu bien avant aujourd'hui, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des choses qui m'ont, c'est trop fort,
Là, c'est que le début, là. Ce que vous voyez, là où j'ai regardé, moi, je regarde, c'est que le début. Mais bon, si vous aimez cette vidéo, bon, n'hésitez pas à liker, les amis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'arrête de parler trop. Mais ça m'a choqué. Ça part de tous les droits de gauche et tout. Oh, c'est trop, c'est trop. Mais la Toulonnaise, franchement, je suis content. La Toulonnaise, elle y allait direct. C'est ça qui m'a fait rigoler. Elle n'a pas y passé la nuit. Les Toulonnais, vive Toulon. Vive Toulon. J'aime trop Toulon. Là, j'aime bien quand Toulon. C'est comme un rugby. On bombarde, on va direct. Et bien là, bon, c'est hors sujet ce que je dis. Mais enfin, bref. Je vous laisse regarder les quelques extraits de. Bon, c'est vrai que je parle même dans la vidéo aussi, mais c'est des extraits qui s'est passé ça, dans la sélection de la sélection mondiale de la Ligue des Champions, de qui quelle telle fille va prendre lui, telle fille va être avec lui ou elle, là tout ça, ça me fait rire. Non, mais moi je rigole bien là, j'en peux plus, j'ai trop rigolé là. Je il faut que je me calme déjà, il faut que je me calme. Parce que là, je parle trop. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser, les amis. Je vous laisse. Parce que là, moi, je vais loin. Je vais dans un tour. Je vais vous dire des trucs qui vont se passer. Si je vous dis maintenant, vous n'allez même plus regarder la télé. Alors, il faut que j'arrête de parler. Je vous laisse regarder la télé. Regarder les prochains épisodes. Et si vous avez aimé la vidéo que je passe comme ça, j'en refais une autre. Et on rigole ensemble, les amis. Pourquoi discuter donc? Bon, je vous laisse les extraits. Bon, tout long. Qui? Elle a pris qui? Ah, ben voilà, la Toulonnaise. C'est bien. Direct! Non! Direct! Non! Elle a choqué tout le monde! C'est quoi? Non, mais il va tomber par terre là! Attends, il y a un malentendu là! Direct! Elle dit c'est toi, lui fais un bisou! Non!